Bonjour Ludovic Ronsin, tu es le président des jeunes agriculteurs de Maine-et-Loire. Peux-tu nous expliquer pourquoi les agriculteurs sont aujourd'hui dans la rue? Alors aujourd'hui, on s'est déplacé sur Angers avec un cortège d'environ 150 tracteurs à l'appel d'une mobilisation nationale par JA et par FNSEA. Tout ça pour dénoncer et pour appeler à un sursaut. Donc c'est un premier avertissement qu'on fait aujourd'hui, c'est pour dire stop, il y en a marre sur certains points que je vais vous expliquer de suite, parce que les gens sont exaspérés dans le monde agricole pour plusieurs choses. Un, on en a marre des surtranspositions de normes en tout genre qu'on peut nous imposer. Aujourd'hui, c'est sur le bien-être animal, demain, c'est sur les phytos, les EDNT. Il y a toujours quelque chose en plus, on nous impose quelque chose en plus, on nous impose de vouloir monter en gamme alors que le marché n'est pas forcément là. Et derrière, il y a une incohérence totale avec les accords qui sont signés avec d'autres pays, notamment le CETA avec le Canada ou bientôt le Mercosur, où on laisse entrer une partie de produits alimentaires sur notre territoire qui ne respectent pas nos normes de production. Donc on perd en compétitivité, on a une France agricole qui se replie au fur et à mesure et qui perd en compétitivité, qui perd en marché, puisque forcément on ne travaille pas à armes égales avec les autres pays. Donc c'est en totale incohérence avec notamment une loi que les députés ont signée il y a à peu près un an, la loi État généraux de l'alimentation, qui nous pousse à l'air vers une montée en gamme, notamment tout ce qui est voilà, bio, moins de phyto, plus de bien-être animal. Et ça, nous, on en est conscient qu'il faut aller vers la demande du citoyen, mais on va d'abord vers la demande du consommateur. Donc ça, voilà, c'est une totale incohérence. Et puis derrière aussi, on est là parce que sur l'ambiance générale qu'on peut voir dans les médias ou dans la bouche de certaines minorités ou de certains politiques, c'est un agribashing permanent où on a une pression sur les épaules des agriculteurs qui est sans cesse plus importante. Si c'est pas sur le bien-être animal, c'est des intrusions dans les élevages, des photos sorties de leur contexte, des agressions dans les champs des gens, des agriculteurs qui se font complètement, mais vraiment agressés à la fois verbalement. Mais aussi... Dernièrement, il y a une exploitation qui a brûlé d'ailleurs, il me semble. Effectivement, en Normandie, on a encore franchi un cap dans la violence en fait de ceux qui sont non pas anti-viande mais anti-élevage et qui veulent nous imposer un système. C'est l'incendie de 3 poulaillers en Normandie, et c'est inadmissible de voir ça et qu'il n'y ait pas plus de réaction que ça de nos politiques pour dénoncer plus fermement et que derrière il y a une justice qui passe par là. On est sur des exploitations où il y a des familles qui vivent. Excusez-moi, mais c'est très anxiogène de voir avoir la crainte de voir des gens arriver sur son exploitation sans qu'on le sache, qui s'introduisent sans respecter les normes sanitaires, avec des risques à la fois d'étouffement d'animaux, mais aussi des risques sanitaires en pleine crise porcine sur d'autres pays. Donc nous, on est vraiment remontés, voilà, et je pense que le climat qui est derrière, les agriculteurs n'en peuvent plus d'être toujours montrés du doigt. Tous les reportages, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est toujours à charge, toujours négatif. Quand est-ce qu'on aura des messages plus positifs ? Dans un pays où l'agriculture est quand même une des meilleures au monde, et elle est enviée ici ou là, mais on n'est pas capable de le reconnaître dans notre pays, on veut toujours faire mieux que les autres, certes, mais derrière, il faut aussi être conscient que tout ce qu'on produit, ça a un prix, et que derrière, il y a une économie, et qu'il va peut-être falloir changer les choses, et qu'on a besoin de soutien aussi de la majorité des gens qu'on n'entend pas, la majorité silencieuse, on a besoin de leur soutien. Et le message qu'on porte aujourd'hui, le dernier message, le plus gros, c'est « France, veux-tu encore tes agriculteurs ?» Alors je suis avec Emmanuel Lachaise qui est secrétaire de la FDSEA. Dis-moi Emmanuel, peux-tu nous donner ton ressenti aujourd'hui sur l'agriculture actuelle, sur ton ressenti, ce que tu as dans le cœur? Bah, ce que j'ai dans le cœur, c'est qu'aujourd'hui je suis très inquiet. Je suis quelqu'un de très motivé pour le métier que j'exerce. Je dis toujours que je fais le plus beau métier au monde, puisqu'on fait un métier qui est très noble, puisqu'on nourrit la population. Par contre, pourquoi je dis que je suis inquiet? Parce que en fait, tous les messages qui sont diffusés à l'heure actuelle sur l'agriculture, aucun est un message positif. Tous les messages sont des messages négatifs. On nous traite de pollueurs, on nous traite d'éleveurs qui maltraitent les animaux. On nous dit... alors justement, je te coupe, là, tu parles de la maltraitance animale. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Bah, j'ai à dire que le métier que l'on exerce, je suis désolé, on ne se lève pas tous les matins, on ne se lève pas la nuit pour maltraiter nos animaux. Et c'est pour ça que j'ai des réponses à faire à ces personnes qui aujourd'hui sont soi-disant des donneurs d'alerte sur les conditions d'élevage. Et moi, je suis désolé, tous les agriculteurs, aujourd'hui, quand on se lève la nuit pour soigner un animal, quand on se lève la nuit pour faire un vélage, pour faire une naissance, on n'y va pas à contre-cœur. On a plaisir à faire notre métier et je ne vois pas en quoi, aujourd'hui, on est capable de nous dire qu'on maltraite nos animaux ou on ne prend pas soin de nos animaux. Je trouve que les propos sont drôlement exagérés et bien souvent, ceux qui parlent de ce sujet-là, ce ne sont même pas eux-mêmes des agriculteurs. Et donc moi je suis désolé, la meilleure personne qui est capable de parler aujourd'hui du métier d'agriculteur, eh ben c'est bien un agriculteur. Si tu avais quelque chose à dire aux associations, par exemple, comme je pense à L214, qu'est-ce que tu aurais à dire ? Je ne sais pas si j'aurais à dire quelque chose, donc représentant d'L214, parce que je pense qu'on est tellement sur un débat passionné qu'il n'y a pas de réception. Quand je dis il n'y a pas de réception, c'est-à-dire que quand on fait de la communication, il y a émetteur et récepteur. Donc moi, je veux bien, à la rigueur, émettre donc mes conditions de travail, pourquoi je fais ce métier-là et comment je le fais au quotidien. Et ça, on a l'habitude de le faire. Mais de l'autre côté, il faut que la réception se fasse bien aussi. Et il faut vraiment nous croire aussi dans les propos qu'on tient. Parce que moi, je suis désolé, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des propos qui sont tenus par des agriculteurs, mais on ne les croit pas. Parce qu'on met de la suspicion. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui se sont exprimées sur notre métier, qui ne connaissent pas notre métier et qui font croire des choses ou qui truquent des images. Parce que c'est facile aussi de faire des montages pour dire qu'il y a de la maltraitance dans des élevages. Ça, c'est très facile. Mais qu'on vienne dans des élevages régulièrement, moi je suis prêt à ouvrir les portes de mon exploitation et on va regarder réellement s'il y a de la maltraitance. Non, moi je suis désolé. Aujourd'hui, mes animaux ne sont pas du tout maltraités. Elles ont des conditions de logement que bien des humains, des fois, voudraient avoir. Si tu avais un mot à dire aux consommateurs aujourd'hui, ça serait quoi ? Être cohérent. Être cohérent parce qu'on ne peut pas exiger à ce que l'agriculture française monte en gamme et fasse de plus en plus de qualité. Les cahiers des charges sont de plus en plus draconiens, on sort de plus en plus de qualité de nos exploitations, mais dans l'acte d'achat, il faut que ça soit aussi cohérent. C'est-à-dire que quand on va faire donc, un certain nombre d'achats sur des produits alimentaires, bien sûr, il faut acheter français. C'est-à-dire qu'il faut songer que quand on achète français, c'est une économie derrière. Ce sont des hommes, ce sont des agriculteurs, ce sont des industries agroalimentaires. Et donc, c'est pour ça que je le redis, il faut absolument une cohérence entre ce que l'on souhaite et ce qu'on achète. Ok, merci beaucoup Emmanuel.